un anniversaire symbolique. Ce dimanche 14 juillet, Malone, le fils de Renaud et Romane Cerda, a célébré ses 18 ans. À cette occasion, l'actrice a partagé sur son compte Instagram une tendre publication. Sous forme de vidéo, plusieurs photos du jeune homme défilent. On voit tout d'abord la chanteuse de 53 ans avec son bébé à l'hôpital, puis lors de sa grossesse. Un troisième cliché d'elle et du chanteur avec le nourrisson apparaît. Une autre image montre un souvenir complice entre mère et fils. Enfin, une photo plus récente de la petite famille est également dévoilée. En légende de cette vidéo, l'ex-femme de l'interprète de Mistral gagnant écrit « Tu as 18 ans aujourd'hui mon Malone, mon trésor. Je suis si heureuse de te connaître, si chanceuse. Joyeux anniversaire mon amour. 18 ans de bonheur à tes côtés. » De son côté, Renaud n'a rien publié sur les réseaux sociaux pour la majorité de son fils. Si Malone a assisté au mariage de son père avec Cerise en mai dernier, les deux hommes ne sont pas si proches l'un de l'autre. Et pour cause, le fils du chanteur a grandi essentiellement avec sa mère. Je ne suis pas le père parfait. Il vit avec sa mère, moi je suis la majorité du temps dans le sud. Ça complique les choses entre nous, confie l'ami de Dave dans les colonnes de Paris Match en novembre 2019. Supérieur à supérieur à qui sont les femmes qui ont compté dans la vie de Renaud? Romane Cerda, ses rares confidences sur son fils Malone depuis 18 ans, Malone vit dans l'anonymat. En effet, Renaud et Romane Cerda ont toujours souhaité préserver l'identité de leur fils. Preuve en est d'ailleurs avec la publication de l'actrice puisqu'elle a caché le visage du jeune homme sur l'ensemble des photos avec un émoji en forme de cœur. En mars 2023, invitée sur le plateau de chez Jordan sur C8, l'interprète de Mon Carnet de Velours a cependant fait de rares confidences sur son garçon. Il va bien, il est grand. Il m'a dépassé, a-t-elle rapidement fait savoir, avant de révéler qu'il est bon élève à l'école, il est moins dissipé que moi, donc c'est parfait, j'admire. Crédit photo, Koadic Guirec.